Vous prendrez la première route à gauche, et puis vous allez retrouver votre chemin après, il n'y a pas de souci. Hein. Et attendez, on va vous faire passer. Gilles a un rôle important, c'est lui qui assure la sécurité au niveau des intersections. Ce bénévole à la retraite est aussi en première ligne quand un automobiliste n'est pas content d'être bloqué. Mais sur cette course, il ne devrait pas y avoir de problème. Quand on a les gendarmes avec nous, c'est plus facile. Ah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on est entre nous, c'est différent. Ce passionné de vélo est plutôt bien placé. Un coup de chance, car Gilles aurait très bien pu se retrouver au parking visiteur et ne pas voir un seul vélo du week-end. C'est le jeu du bénévolat. Bravo, 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 bravo. Il n'y a pas de sous-passe, absolument pas. Il y a des postes plus intéressants, mais il n'y a pas de sous-passe. Là, c'est vraiment un poste intéressant. Et samedi, dimanche, j'ai aussi un poste intéressant. Je suis au rond-point avant l'arrivée. Emmanuel, lui, a eu moins de chance. C'est derrière le bar qu'il va passer son temps. Mais peu importe ce qu'il est venu chercher, c'est l'ambiance qui règne ici. Messieurs, bien bonjour. D'ailleurs, aujourd'hui, ce bénévole devrait être en train de travailler. Non, c'est pas compliqué. J'ai pris une journée de repos au sein de l'entreprise. Et après, je suis bénévole aussi dimanche. Ah oui, d'accord. Ici aussi, on ne va pas voir grand-chose. Des matchs de rink hockey. En plein championnat du monde, ces bénévoles ont autre chose en tête. Baptiste, qui est le coordinateur, avoue être assez impressionné par l'implication des équipes. Les gens sont extraordinaires de gentillesse, de compétence, de simplicité, d'entraide. Donc, ah ouais, je prends une énorme claque. Franchement, je prends une énorme claque. En cuisine, ça ne traîne pas. Aujourd'hui, il faut préparer 800 sandwichs. Mercedes se dépêche car ce soir, son fils Carlo joue dans l'équipe de France contre l'Argentine. Mercedes est un peu une exception. Quand mon fils, quand l'équipe il joue, je ne travaille plus. J'arrête mon bénévolat. Mais je sais dans mon contrat au début. Hein. Deux sports, deux ambiances, mais comme à chaque fois, des bénévoles très impliqués à qui il ne faut pas demander deux fois de donner un peu de leur temps. Bravo.